Et là, là, imposture. Là, je suis en kaboum, donc normalement, je crains rien. Peut-être même dernier souffle, c'est peut-être un peu greedy. Vite, vite, vite. Quoi? Mais, tout à l'heure, quand on a regardé le spell, on a dit que ça donnait état kaboum. Pourquoi je suis mort? Oh, c'est gentil ça. Tac, tac, tac. Oh, j'ai oublié l'idole. Bien vu. Une gorgée de holy histoire d'être focus. Bon, le chat, il est 17h, hein. Je vous avoue que c'est le dernier truc qu'on fera aujourd'hui, je vais éviter de reboire un holy. C'était Viti Roussi. Ça fait déjà un gros live, hein. On est déjà à 8h de live. Hop. Attends, eh, oh. J'ai cliqué dessus, je suis pas bien, hein. Roussi. Roussi, c'est bon. Là, j'avais cliqué dessus pourtant. Je vais désactiver cette fonction de balus là. Je ne suis pas d'accord. Cela ne me plaît guère. Ah, il faut être à la salle du boss, ok. D'ailleurs, Oli, ça fonctionne vraiment, ça? Ça booste vraiment? Ça aide à la concentration, comme ils disent? Ça aide à la concentration? Bah écoute, pour moi, j'ai jamais trop lu que ça aide à la concentration. Il s'agit soit de boissons, bah tu vois, Oli, c'est soit des iced tea, soit des hydratations, donc électrolytes, soit des boissons énergisantes, donc l'énergisant, c'est la caféine. Je t'avoue, j'ai jamais entendu parler de l'histoire de concentration, mais... prendre une belle diagonale là. On va mettre une petite bombe d'Efafa, un risky là-dessus. Et puis on va la laisser en vie. Hein. En vrai, je pense que c'est plus bénef d'aller éteindre celui-là. En vrai. Ça fait peut-être un peu loin, mais bon. Par contre, ouais, ça énergise bien. La caféine, elle est bien, bien comme il faut. Moi, par exemple, deux holy et après, c'est stop. Hein. Après, faut dire que c'est quand même 1 demi-litre. Peut-être pas non plus abusé. Toi, tu me parais quand même vachement loin et je t'ai positionné de sorte à ce que ça me fasse bien chier. Donc. Après, tu me diras, ça, c'est une bombe à eau. Il faut juste ça, ça, comme ça là, mais là, si je refais comme ça, je peux la pousser diago. Alors, j'ai une idée, peut-être un peu saugrenu. Oh, je suis... Oh, ça a pas marché, comme c'est pas une entité vivante. J'ai rien dit, allez, à plus. Ça ne lui a pas fait manger la... Contrairement à la méga bombe et à la bombe ambulante, ça n'a pas fonctionné. Dommage. Niveau 200, Naya. Hello Barbe, que fais-tu dans le pro avant de, streamer full time? Bac pro commerce, et j'ai fait... j'ai travaillé à l'usine pendant très longtemps. Alors, je peux faire aller ça là. En vrai, moi, je peux aller là-bas. Non, c'est pas fou. En vrai, je peux faire ça. On peut prendre ça.
placement là. J'ai fait un bac pro commerce, j'ai travaillé chez Auchan, et sinon, j'ai travaillé en usine de mes 18 à mes 21-22 ans, en tant qu'opérateur chef de pompe THP. Depuis que j'ai repris Oli, mon activité sexuelle est de nouveau présente dans mon couple, ça marche. Let's go, Janko. Ok. Coucou. Je termine mon activité et ce sera la fin du live. Est-ce que je peux réussir à faire quelque chose de mes 10 doigts, là ? Tu veux pas mourir, toi, là-bas ? Une petite bombe là-dessus, une imposture. Voilà. Et puis je peux pas faire mieux. J'ai chopé ça. Au moins je peux choper ça et mourir. Parce que elle va mourir quoi qu'il arrive en passe-tour. Donc ce n'est pas la peine. Fais voir, ça fait quoi si je fais ça? Il se transforme en méga bombe. Imagine. Ah merde, c'est pas le bon spell. Ok, nice. Merci Xenolis. Mais ouais, je travaillais pelle, brouette, balai dans les bandes à charbon et des trucs comme ça. Et puis après, j'ai passé ma formation d'opérateur chef de pompe THP. On faisait beaucoup de nettoie de conduits habillés dans des combinaisons jaunes, etc. On rentrait dans des trous d'hommes et on nettoyait au marteau-piqueur et tout. Quand on devait faire de la place pour les outils de nettoyage à haute pression. Alors, moi, je peux aller là-bas. Cela dit, si je fais ça, ça, il faudrait au moins que je libère. Et il aura peut-être besoin de moi quand même. Voilà, ça c'est bien. J'ai pas de PA à récupérer parce que je vois absolument rien de ce qui se passe sur la map. J'adore Dofus. Challenge beaucoup trop dur. Beaucoup trop dur le chat de jouer comme ça. Ne tue pas ma bombe ! Fumier, va. Yeah. Non! Hop, on met ça là-bas. Ok. Toi, si tu peux prendre ça, à la limite. Pourquoi pas? Hop, ça fait toujours une entité qui se font roxer. Ah oui, j'ai loupé la prédit. C'était pas first try, bien vu. First try, non. Bien vu. On a tout éteint sauf celle-là, au final. Il n'y en a aucune qui se rallume, si. On va voir ça tout de suite. Aucune ne se rallume, très bien. Donc la solution, c'est de récupérer déjà des PA là-dessus. Et je me fais péter la gueule, c'est pas grave. On prend une diagonale. Hop. On peut reprendre une diagonale. Pousser comme ça. Pousser comme ça, non, ça sert à rien. Oh! J'avais oublié qu'elle avait 7 PM. Ok, on a un déloc. Voilà. On a un petit placement par ici.
le boss va passer invisible, donc au moment il n'y a aucun feu qui se rallume. Bah c'est pas à moi de choisir en fait, Apoxy. Le malus c'est vous qui choisissez, c'est pour ça. Sinon j'aurais jamais mis ça. Déjà j'aurais jamais mis de malus tout court parce que c'est déjà très dur de faire ce que je fais. Je sais pas pourquoi il y a eu cette idée de malus. Contrairement au solo lycéen, c'était bien sans malus. C'était bien. Donc là il y a un feu qui s'est rallumé. Bah oui, forcément. Quelle idée. Il y a une bombe ici. Je peux refaire ça, risky. Alors, risky, hop. Et voilà. On peut rien en faire. Et j'aurais peut-être pu chercher à prendre... Ouais, la transformer en bombe, ça aurait pu ne pas être déconnant. Tu en penses quoi de Losa Modas? Très bonne classe, très sous-cotée en PVM, mais très très peu représentée. Je vais savoir quoi sur Losa. Pourquoi avoir up 200? Je n'ai pas suivi. Est-ce que tu avais vu pour le défi de Joey, Nayatsuki? Est-ce que tu avais vu pour le défi de Joey? Bon du coup, tout est éteint, le boss va passer invisible, non? Pourquoi le boss, il n'est pas passé invisible alors que tout est éteint? Et pourquoi le boss n'a pas lancé son invisibilité alors qu'il est déloc? Pardon? Qu'est-ce que c'est que cette pince? The fuck? Bah écoutez, pourquoi pas? Je viens, je veux bien. Je veux bien, je valide. Ouais. Très bien. Toi, tu peux te prendre des tartes, ça me va. Oh, remarque, c'est peut-être mieux qu'il tank. Mais là, hop, et il fait rien. Il était déjà invisible le tour d'avant, alors qu'il y avait un feu qui s'était rallumé. Putain, je vois rien, vraiment. C'est un enfer. Je peux faire ça. Ok, deux fois. On peut essayer. Waouh, waouh, waouh. Oula, 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 oula. Non! Mais attends, comment ça il est passé invisible? J'ai eu de la chance. Libé, ça va pas très loin. Pulsar, ça va user des points de vie. J'aurais voulu faire une zone de soins. Je pense qu'il faut que je libé. Grenaille. Alors, à la limite. Mettre une bombe en plus dedans. Non ! On vole de vie ! Ouais, je suis pas mort, mais j'ai quand même un mode qui a beaucoup de résistance fixe et tout. Je suis passé sur un truc pas mal rési fixe. Oh, le boss, il est là-bas ! Le boss est loin, hein, quand même. Le boss est très loin. En fait, faut que j'arrête de vouloir jouer bombe parce que j'ai failli me tuer. Je vais le taper en dégâts directs. Il faut que je sois loin et que je tape en dégâts directs. Je profite des zones que je peux.
Là, il a 35% de résifeu quand même. Aïe, aïe, aïe. Peut-être pas si ouf finalement les dégâts directs. Ouais, si, c'est bon. On va en profiter. Oh, remarque. Le soin, c'est bien, mais le kill, c'est mieux. Hop, il est mort, l'autre noobs. On va utiliser ça. Hop. Je pense que je vais aller... Aïe, aïe, aïe. Si je viens jusque là, je peux faire un truc. Si je fais ça. J'ai pas la PO. Si je viens là, là, et que je fais ça, là. Je peux faire ça. On recule le chat. On recule encore. Me met une méga bombe devant. Oh, Apoxy, bienvenue en guild. On sait jamais, je reste comme ça. Je suis vraiment passé pas loin de la mort. Hein. Bon, le fight est gagné si je joue pas avec mon caca. Pas déplaçable, j'ai pas aimantation. En fait, plein, vraiment très souvent, hein, ça me dérange de pas avoir aimantation. C'est une dinguerie. Bon bah on va grenaille. Hein. C'est moi que je tape là avec ça ? Non, c'est bon. Ouais, mais normalement, qui dit postuler dit acceptation. Hein. Chez nous, il n'y a pas de... Sauf si t'as mis un message automatique. Message automatique, là par contre, tu risques de te faire refuser, c'est notre... C'est notre manière de recruter. On va tuer celui-là, je pense. Hein. Malus. Terminus. Malus Terminus, le chat. Tu sais quand tu fais juste postuler sans mettre de message, Apoxy. Je sais pas s'il y a des gens par exemple qui l'ont fait là. Non c'est bon tu vois, t'as écrit un message. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi en guilde. Petite grenaille. Peut-être même flamiche. Ah bah non. Ah mais grenaille, c'est sans ligne de vue. Je viens seulement de comprendre. Mais c'est une dinguerie. C'est absurde. Ah oui, le vol de vie est qualitatif en fait, tu peux jouer vraiment comme un pied. Bon, on termine le fight comme ça. Hein. On n'aura pas eu le score duo encore une fois, mais... Oh, voilà, il y a des questions que j'ai loupées durant le combat, n'hésitez pas à aller reposter le chat. Et voilà qui est fait. Ça m'a fatigué, hein. Preuve, regardez mon oreille. Plus jamais je fais un fight sans le mode tactique. Hein.